Eh bien bonjour à tous, les amis, c'est Jumper, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi les amis, ça va plutôt nickel, car aujourd'hui, comme vous le voyez, vous ne rêvez pas. On se retrouve, les amis, devant le nouveau jeu Hello Neighbor Hide and Seek. Et oui les amis, vous ne rêvez pas, je suis tellement content de découvrir avec vous en ce jour ce nouveau jeu Hello Neighbor, ce nouveau jeu qui va être génial. Et oui les amis, on s'y attendait tellement pas, on pensait que c'était fini avec ce méchant voisin. Et non les gens, il y a effectivement un nouveau jeu qui est sorti, qui raconterait justement l'histoire de notre méchant voisin entre guillemets. Et ça raconterait de très très loin, vraiment loin dans le passé, ça raconterait justement toute sa vie de famille. Et écoutez les gens, j'ai hâte de découvrir ça, c'est un truc de dingue, je ne m'attendais tellement pas à la venue d'un nouveau jeu en fait d'Hello Neighbor, étant donné qu'il a été terminé il y a quand même, bon, quelques mois, mais c'était quand même assez récent. Mais les amis, on est de retour, une fois de plus, avec notre voisin, avec vous, et c'est parti! Oh, c'est génial. Oh là, j'y attendais tellement pas, c'est un truc de fou. Là, je découvre avec vous vraiment ce jeu aujourd'hui. Ok. C'est sa famille. C'est génial. Ah, il joue à cache-cache, do hide and seek. Ah, ça commence comme ça. C'est génial. Je t'ai trouvé. Ah non, faut que j'aille me cacher. Ah bah oui, vu que c'est un cache-cache, mais c'est génial. Je connais les... Ah, oh, c'est la maison de l'acte 1. Ah, oh, c'est excellent. Voici là. Ok, il est encore en train de compter. Ah, oh, c'est excellent. Oh, what? On est arrivé dans un autre monde? Oh, mais c'est tellement ouf! Oh, waouh! Regardez, il y a des trucs géants, il y a des balais géants! Oh, il y a un paysan géant! Oh, et même la porte, elle est tellement énorme! Oh, les amis, c'est tellement cool! On joue les enfants du méchant voisin! Enfin, qui n'était pas encore méchant, là, entre guillemets, à ce moment-là. Ça se passe bien avant l'histoire d'Hello Neighbor. Oh, c'est ouf! C'est Alice au pays des merveilles, le truc, je te jure! Oh, il m'a fait peur. Faut peut-être pas passer devant lui, hein. Je lui fais pas confiance à ce piaf. Ah, c'est moi qui rigole, d'accord. Ok. Wow. C'est génial, mais c'est tellement cool, quoi. Oh, c'est beau, quand même. On va prendre les trucs. Eh ouais. On a toujours une force herculéenne. Oh, la lampe bleue, là-bas. Oh, il y a le geyser, toi. Est-ce qu'il faut aller sur les geysers ou faut grimper sur le canapé? Attendez, on va essayer d'aller sur les geysers. Un petit peu. Ça me paraît assez ouf, mais... Oh! Ah ouais! Alors, on va essayer de trouver... Où est-ce qu'il faut se situer? Alors, attendez. Je pense qu'à mon avis, les amis, il va falloir grimper. Oh! Il y a un truc! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est... Oh! C'est notre frère, il joue un... D'accord, il joue un espèce de lion dans la savane. J'ai tellement peur, j'y attendais tellement pas. Ok, alors, on va voir un petit peu. Où est-ce qu'il faut aller? Attendez, vous me dites... En fait, les bruits que j'entends là, comme ça, c'est... Ouais, c'est les geysers. On essaie de voir si on peut pas le voir en avance. Là-dessus, on est d'accord que ça sert à rien, on pourra pas monter. Oh non, il est là. Il arrive. Il arrive. Mais il va beaucoup trop vite. Ah oh, non, 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 non. Non, non, lâche-moi mon frère. Lâche-moi. Ok, c'est bon. Il a pas trouvé le moyen de monter. Il est en bas, je veux pas regarder. Non. Faut que je grimpe, je continue de monter. Je sais pas où je m'engage. On peut grimper là? Non, on peut pas. Il faut un truc un peu moins... Un peu moins pentu. Ok, là on peut passer comme ça, regardez. Yes! Ok, on escalade! Oh, cette montagne! Ok! Oh, j'entends un bruit bizarre. Vous entendez ce bruit? On va passer comme ça, regarde. Faut peut-être monter là, non? Faut passer sur le canapé?
Ah non, on peut grimper là. Waouh, on est tellement haut. Oh, l'aspirateur. Oh. On peut aller sur le canapé. Oh, il y a un truc sur le canapé. Oh, une peluche. Non, c'est ma peluche. C'est quoi ça? Wow, mais c'est énorme. C'est ma peluche. Je sais pas s'il faut qu'on continue de monter quelque part ou... Je sais pas s'il faut aller sur les arbres. Ça me paraît ouf quand même d'aller sur les arbres. Ah, vous savez quoi, bah, on va quand même... on va continuer de se balader un petit peu. Mais je pense qu'à mon avis, les objets là que j'ai pu prendre, à mon avis, ça a une importance. Bon, par contre, il va falloir faire attention à pas essayer de se faire attraper par notre frère. Alors... Oh là là, j'ai cru que j'allais tomber, tu vois. Ok. À quoi ça pourrait servir ce truc? Là, on a vraiment une... On a une peluche. On va explorer. Vous savez quoi? On va explorer les trucs. C'est quoi ça? Un tas de terre. D'accord. Voilà, il y avait un autre tas de terre là. On aurait peut-être une pelle. On peut aller sous l'eau. Oh, une caisse. Il y a peut-être autre chose là-dedans, non? Oh, il y a un trou. On dirait que c'est un truc de taupe. Il y a une taupe dans les parages. Ok, donc on va continuer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça, c'est la porte. Enfin, l'espèce de plaque. Oh, la pelle, elle est immense là-bas. Là, on a une espèce de caddie. Oh, une indication, hein. Alors, on dirait qu'il faut mettre des animaux. Regardez, on a un oiseau, on a un lion, on a un éléphant, on a un cheval, tout ça. Et apparemment, il faudrait le mettre là-dedans. D'accord, ok. Pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est le skate. Je me demande s'il attend. Je vais... Oh! Oh! On peut pousser les geysers! Oh! Intéressant, ça! Alors, on va laisser le geyser comme ça. Peut-être que ça va changer quelques petites bricoles ou pas, je pense. Ok, là, y'a rien. Ah, je fouille vraiment absolument partout. Hein. C'est à mon avis. Oh, ça, je peux le prendre? Ah, on peut se cacher dedans! Ah, c'est... Attends, comment j'ai fait? Ah, d'accord. Ah, c'est pour se cacher de notre frère. Ah, c'est comme les placards! Ok! Pas mal! Pas mal l'idée. Bon, j'ai toujours ma peluche, regarde. Oh, il y a un truc là-bas. Oh, c'est les jumelles! C'est les jumelles! Yes! Ah, on voit déjà beaucoup mieux. Il y a un truc là. On dirait qu'il protège un truc. Ça, c'est les oreillers. Attends, je vais voir si je peux l'aider à lui. Ah! Non! Non, 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 non! Il m'a vu, mais il peut pas m'attraper! Il est juste avant nous! Est-ce qu'il va lâcher l'affaire ou pas? Ah, il nous a vu, il sait qu'on est dedans! Il est au-dessus! Vite! Cours, on s'arrête pas! Oh, c'est quoi ça? Oh! Il y avait un truc, mais ça s'est barré! J'ai l'impression qu'il y avait une taupe! Oh, il nous aura pas là! Je le vois plus! Il est là-bas, regardez! Il court! Ok! Alors là, l'oiseau il essaye de... Oh! Non, c'est à moi! C'est à moi! Est-ce que les peluches ça en fait partie? Oh là! On l'a un peu attiré. Ah, il va nous attraper. Oh, y a un caillou! Ok, un autre caillou! On va boucher un autre geyser, je sais pas à quoi ça sert, mais bon! On me le dit, l'esprit me dit qu'il faut le faire! Ah, il nous a vu. Allez, on va déposer ça là. On pose. Ah, oula! Oh! J'étais bugué! Oh, attends, est-ce que je peux le mettre? Yes, c'est bon! Un geyser de moins encore! Y'a des trucs là-dedans ou pas? Non? Oh! Ah si! Y'a un lion! Non, c'est un cheval! Ah, c'est ça, à mon avis, c'est les peluches! Ah ah! Regardez là, normalement! Donc là, j'ai le cheval! Est-ce que ça va compter ou pas? Quoi? Ok, ça a compté. Est-ce que ça compte ou pas? Là, ça compte? Yes! Ah, c'est les deux mêmes là. Bon, écoute, ça compte, mais Mais bon, j'en ai un double. Ah, mais c'est excellent! C'est génial! Est-ce qu'on peut voir autre chose ou pas? Oh, ça a l'air vachement beau ça. Ah ouais, pour grimper là-dessus, c'est quelque chose. Alors, j'aimerais bien récupérer un peu la peluche qu'il a ici là. Non, je rigole! Non! Donne-moi ça! Tu protèges une peluche que j'ai pas! Ah, mais ça va tirer notre frère! Le zoom était mal ça! C'est bon, il m'aura pas! Il m'a vu ou pas? C'est bon, il a lâché l'affaire. Bon, il est moins curieux
que son papa. Heureusement. C'est génial. Ah, c'est excellent. C'est vraiment de père en fils, hein, ce truc-là. Ok, alors... Du coup... Est-ce qu'on aurait autre chose là-bas ou pas? Alors déjà, on a réussi à grimper au sommet. Ce qui était plutôt pas mal. Et là, j'entends... J'entends un petit bruit, là. Ah, c'est lui qui fait ce bruit-là. D'accord. Ah, regardez. Hé, hey, toi, là, arrête de me troll. Non. Je l'entends, il est derrière nous. Il est derrière nous. Ah, jumelle. C'est bon, il m'a perdu. Ok, je vois la peluche. T'as-tu arrivé en douceur? On n'aura pas le temps d'y arriver en douceur. Donne-moi ça. J'ai pas eu le temps. Non, pousse-toi, tais-toi, toi tu l'as perdu. Chut. Vite. Ah. Il nous a perdu. Ok. Alors là, il y a d'autres geysers. Là, il y a de l'eau. Oh, une viande. Ah ah. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Comment on se déplace sous l'eau, ça me fait rire. On se déplace tellement normalement. Ok, un fauteuil. Oh, c'est quoi ça? Waouh, les canettes. J'avais pas vu les canettes. Oh, un radiateur. Ah ah. On a la buisson qui est là. On a... Comment on pourrait faire pour grimper tout là-haut de ce truc? Oh, en fait, là, c'est une méga énigme. Oh, il y a un truc là. Un ballon. Yes. Je sais pas à quoi ça va nous servir, mais... Si c'est là, c'est pas pour rien. Est-ce que ça nous permettrait pas? Non, on peut pas boucher un truc. Oh, J'ai trouvé, les amis. J'ai une idée. Quand on recroise la taupe, on va lui balancer le ballon. En plein de face. Oh, la radio. Ah non, c'est la télé. C'est la télé. Oh, il y a notre frère. On va escalader cette taupe. Elle est là-bas. Elle nous nargue. Ah, notre frère est là aussi. Hein. On va éviter de se faire repérer. Attends, je vais l'attirer avec l'oiseau. Fais du bruit. Voilà, fais du bruit. Ok, normalement il va aller là-bas. Ouais, c'est bon, il a été attiré. Ok. Ah non, je l'entends. Oh non. Non. Il nous a vu. Vite. Reste caché. Je vais loin. Est-ce qu'il me voit encore ou pas? Ah, il me lâche pas. Non, c'est bon, il a été au dernier endroit où il m'a vu. C'est bon, il m'a perdu. Oh, il y a encore un ballon là. Alors toi, tu te tais. Sale bête. Non, c'est moi qui rigole. Ouais, c'est moi. Ok, c'est bon. Alors, on a le ballon de basket. Fais un peu. Dommage. Dommage. Fallait viser beaucoup plus haut. J'ai oublié que j'avais pas une force incroyable. Attendez, on va essayer de récupérer le... Je crois que j'ai entendu, je suis pas sûr. Ok, on va prendre le deuxième ballon de basket. On va retenter. Je l'entends, il est pas loin. Vas-y. Beaucoup plus haut. Comme ça. Je suis dingue. Ah, c'est pas possible. À mon avis, ouais, ça va être comme ça qu'on va l'avoir. Ouais, avec un autre objet peut-être. Regarde. Là, ça va, là, comme ça, là. C'est bon, là. Fais. Oh non. Je crois qu'il faut... Oh ah. Lâche-moi. Forcément, tu m'as eu. Forcément. Bon, alors, on se concentre. On va récupérer le ballon. Et si on n'y arrive pas, on avisera. Alors, à mon avis, c'est ça, c'est sûr. Regardez le ballon. Ah, j'ai pas le temps. Ah, si, je l'ai eu. Okay, c'est bon, je l'ai eu. J'ai eu le ballon. Après, c'est peut-être pour l'envoyer. C'est violent quand même, mais. Oh, une vanne. Ah, c'est peut-être pour envoyer sur notre frère. Hein, je sais pas du tout, hein, mais à mon avis, il doit y avoir un rapport. Ah, tais-toi. Ouais, c'est toujours au même endroit qu'il l'envoie. Attends, il est derrière nous. Tiens. Oh oui. Je l'ai tapé. Elle a dû tomber quelque part. À mon avis, il faut la toucher plusieurs fois.
Ouais. C'est pas possible. Tu n'aimeras pas, nanana. Nanana. Oh mais non, c'est pas... Oh non, mais non, là, c'est pas du jeu, là, frérot, là. Attends, j'étais dans les buissons, normalement, tu devais partir, bon. Alors, à mon avis, ouais, c'est ce qu'il faut faire, je pense, avec la taupe. Faut lui balancer le ballon plusieurs fois, je pense, d'affilée. Mais, on va... Déjà, faut que je récupère les ballons. Faut que je récupère les ballons. Est-ce qu'il y aurait pas... Oh, il y a un truc, là. Qu'est-ce que c'est? Oh. Il y a un lion. Oh. Oh. Il vient. Il vient tout seul. Mais c'est trop bien. Eh, mais ça, c'est bien. Mais j'aime bien, moi, ce genre d'énigme résolu en deux secondes. Ah, attendez, je pense qu'à mon avis, c'est parce que j'avais la viande. Ah, ouais. Ah, c'est sûr. Sinon, je pense qu'il serait pas venu. Ah, on est d'accord. Alors, attends, donc là, ça en fait un en plus. Et voilà. Et voilà, on est à 3. Normalement, on est à 3, je pense. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Après, peut-être que là, les deux, ils comptent, mais... À mon avis, je pense pas. Ah oui, je pense pas. Bon, je veux quand même essayer d'avoir la taupe, quand même. Attends. Oh, mais il y a des cartons. Mais oui. Mais oui, les amis, des cartons. Alors, la viande, je vais la poser là. Parce que je l'oublierai pas, dans tous les cas. La vanne, je sais pas encore à quoi elle sert. Mais je trouverai, bien sûr, au fil du temps. Attends. Tac. Tac. Ah, c'est pas ça. Tac. Ah non, c'est pas ça. Ah, ça le prie. Ah là, ça le prie. Allez, parti. À mon avis, voilà, ça doit être autre chose, j'ai pensé. Alors, attendez, les amis, en fait, je viens de penser à un truc. Regardez, j'ai trouvé des cartons. Et donc, comme vous le savez, j'en ai vu, il y avait un petit peu partout, tu vois. Du coup, ça fait que je pense qu'il y a moyen, si je bloque, regardez, les trous comme ça, peut-être qu'il y a moyen, effectivement, de bloquer, hein, ce petit troller, là, avec ça, hein. Avec ça, j'allais dire, sa marmotte. Bon, c'est parce que pareil, tu vois ce que je veux dire, mais bon. Ok, donc, attends, on va bloquer comme ça. Voilà. Si ça marche pas, alors là. Alors je comprends pas. Oh non, il nous a vu, il nous a vu. Il nous a vu. Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que ça a marché? Oh non, ça a pas marché. Attends, je pense qu'il faut qu'on bouge tous les trous. Faut vraiment qu'on bouge tous les trous, je pense. Si on le bouge. Voilà, que les trous, pas forcément du geyser. On est derrière moi, il est derrière moi, non. Ah, je vais bloquer un peu là. Faut que je trouve d'autres cartons. Faut que je trouve d'autres cartons. Parce qu'il me semble qu'il y en avait là-bas. Regardez, il y a un carton là. On a un carton. Ouais, ouais, tu peux gueuler, tu gueules, tu gueules. Ça changera rien, l'ami, ça changera rien. Je pense qu'il y en a d'autres. Ok, bon, on verra après. On verra après, on verra après. Là, normalement, c'est bouché. Est-ce qu'il est retourné là-bas ou pas? Non, il est pas retourné là-bas. Il est pas retourné là-bas. Je vérifie quand même. Est-ce qu'il faut vraiment... Attends, est-ce qu'il serait pas passé ailleurs? Enfin, s'il n'y a pas de carton. Là, c'est bouché, là aussi. Il doit être là-bas. Ouais, on va boucher. On va boucher absolument tout ce qu'on peut boucher. Je pense qu'à mon avis, si on fait ça... Parce que normalement, il vient pas au geyser. Normalement. Non, il vient pas au geyser, donc à moins que j'ai loupé un trou de taupe. Est-ce qu'on peut mettre un truc là ou pas? Ça a pas l'air de marcher. Non, ça a pas l'air de marcher pour les cartons là-dessus. Oula. Ça par contre c'est... Oh, il est là-bas. Il est là-bas. Ah. Il est là, et là il va partir, ok. Là je bouge, et là mon pote, tu vas pas faire le malin, c'est moi qui te le dis. Je vais te coincer. Tu vas rien comprendre. Et là normalement, je pense qu'il devrait être à côté de la montagne. Normalement. Est-ce qu'il est là-bas ou pas? Yes. Ah, comme par hasard. Fallait que lui soit là-bas aussi. Attends, là, normalement, il ne voit pas. C'est bon, il ne voit pas, il ne voit pas. Okay, c'est bon. Ok, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va. On se dépêche, les amis, on se dépêche. Allez, viens là. Allez. Et voilà. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Ça aurait pu marcher avec les caisses en fait, hein, je suis en train de penser. Hein, la petite marmotte, hein. Tu vois ta maline là. Hop, et on va déposer là-dedans. Yes. Et là du coup on a 1, 2, 3 et 4. Pas mal. Il va nous en manquer un petit peu moins. Mais je pense que dans l'ensemble, on est bien, on s'est mis bien, je trouve. Eh bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là du coup pour cette première partie sur ce jeu Hello Neighbor Hide and Seek, qui est vraiment, vraiment génial. Et je trouve qu'en plus on s'est plutôt bien débrouillé, parce que bon là au début on était un peu perdu, c'est normal, un nouveau monde, etc. Et nouveau personnage, hein, on joue d'ailleurs, écoutez, la fille du voisin, et avec bien sûr son fils, hein, on joue tout simplement à cache-cache, hein, d'où le nom. Hein. Et d'ailleurs il me semble qu'en plus c'est un, je crois que c'est un, comment dire, un grand fan de la licence de Hello Neighbor qui a fait le jeu. Je sais pas si c'est vraiment
un des jeux officiels, hein, il me semble que non. Mais dans tous les cas, ce jeu est vraiment génial. Ça fait tellement plaisir d'avoir une nouvelle, entre guillemets, un nouveau DLC, entre guillemets, une nouvelle version de Hello Neighbor. Et en plus, bien différente. Mais regardez-moi ça, quoi, ce pigeon. Ah, c'est un corbeau. Oh, c'est le corbeau. Mais j'avais pas vu, en fait, c'était corbeau. C'était le corbeau bugué. C'était notre pote, le corbeau. Enfin, dans tous les cas, les amis, on va s'arrêter là, du coup, pour cette première partie sur ce jeu Hello Neighbor Anthem 6. J'espère, en tout cas, que ça vous aura extrêmement plu que je revienne sur Hello Neighbor et, en plus, sur un nouveau jeu, entre guillemets. D'ailleurs, n'hésitez pas, là, les amis, à lâcher un maximum de pouces bleus pour ce jeu exceptionnel. Ça me ferait extrêmement plaisir, ainsi que vous abonner à la chaîne. Si c'est pas déjà fait, je vous remercie grandement, les amis. C'est votre jumper. Et je vous dis à très bientôt dans Hello Neighbor. Ciao, les amis.